Hello world, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau documentaire sur ce magnifique soleil couchant de Mykonos. Vous l'avez compris, dans ce documentaire, on va voyager à travers les Cyclades grecques, un endroit prisé par les touristes du monde entier. On va aller sur Mykonos, mais aussi sur l'île volcanique de Santorin, ainsi que sur les petites îles comme Milos. Alors si vous voulez en savoir plus et surtout en découvrir plus sur les secrets des Cyclades grecques, let's go, c'est parti. Les Cyclades grecques sont un tout petit archipel de 24 îles situées en dessous d'Athènes. Elles sont très connues dans le monde entier pour leur beauté atypique. Des petits villages perchés de cartes postales, plongés dans un bleu infini. La première chose à savoir là-bas, c'est que vous y verrez la mer Égée, une mer antérieure à la mer Méditerranée. Pour débuter notre découverte, prenons la direction de l'une des îles les plus connues de Grèce, voire peut-être la plus connue au monde, Mykonos. Mykonos, c'est la star des Cyclades. Avec ses eaux cristallines, ses ruelles atypiques et bien évidemment, sa météo parfaite. Elle attire des millions de touristes chaque année. Des touristes fortunés, des célébrités ou encore des routards du monde entier. Tous dans un unique but, découvrir Mykonos et ses nombreux beach clubs bercés par la musique des meilleurs DJ de la planète. Si Mykonos semble être le paradis des fêtards, elle a bien d'autres qualités, dont beaucoup semblent oublier. Hormis la fête ou les spots photos Instagram, une véritable culture et histoire existe ici, notamment sur la petite île voisine de Délos, que l'on appelle l'île d'Apollon. Place forte de la mythologie grecque, les touristes négligent cette île magnifique inhabitée, autrefois l'une des plus importantes des Cyclades. Elle a joué un rôle considérable en Grèce antique. Le trafic maritime y a été très important. Aujourd'hui, c'est un énorme site archéologique à ciel ouvert, une petite merveille à visiter. D'après de nombreux récits de la mythologie grecque, le fils de Zeus, Apollon, est né sur cette île, tout comme sa sœur jumelle, Artémis. Depuis, l'île de Délos devint le lieu sacré du dieu Apollon. Elle a une grande signification religieuse pour tous les Grecs, surtout dans la Grèce antique. Mykonos a un charme bien à lui. L'île doit sa renommée aussi à son architecture, ses maisons blanches et ses sublimes couleurs. Arpenter ces petites ruelles est un véritable plaisir. Un coup de cœur pour tous les voyageurs qui viennent ici. Cette architecture typique que l'on retrouve à Mykonos ainsi que dans les Cyclades est également ce qui a rendu ce groupe d'îles si célèbre dans le monde entier. Les maisons sont construites avec des matériaux très simples. C'est le premier ministre grec de l'époque, Ioannis Metaxas, qui a ordonné en 1936 de peindre les maisons en blanc et bleu pour symboliser la mousse des vagues blanches sur la mer Égée et le bleu du ciel grec. Aujourd'hui encore,
Tout le monde, chaque année, repeint sa maison. Et certaines fois, on retrouve des maisons avec de nombreuses couches de peinture blanche. Un charme bien particulier et qui attire bien du monde. Le blanc est aussi vu comme un puissant atout pour résister à la chaleur. Si la couleur noire absorbe la chaleur, la couleur blanche, elle, la renvoie. Ce qui atténue la température à l'intérieur des maisons. La couleur bleue, quant à elle, est réputée pour éloigner les moustiques. Le second atout de l'île, c'est ses fabuleuses plages, comme celle de Platijalos ou Paradise Beach. Hors saison, ou même en après-midi, cela peut vite être un véritable havre de paix. S'offrir des plages et des eaux turquoises à moins de 3 heures de la France, c'est donc bien évidemment possible ici, à Mykonos. Mais rassurez-vous, profiter de magnifiques couchers de soleil et de plages paradisiaques est possible dans toutes les Cyclades, et notamment pas très loin de Mykonos, sur l'île de Paros. Située à l'ouest de Naxos, la petite île de Paros est elle aussi un petit bijou des Cyclades. Près de 200 km² de paradis. Naousa est un village traditionnel de pêcheurs, mais avec le charme grec. Un endroit incontournable du passage sur cette île. Au centre de l'île se trouve Lefkès, qui compte parmi les villages les plus peuplés de Paros, et il s'agit de celui qui se trouve à la plus haute altitude, précisément 203 mètres d'altitude. On pourrait penser que tous les endroits se ressemblent dans les Cyclades. L'architecture y est similaire effectivement. C'est ce qui fait le charme de cet archipel. À Paros par exemple, un avantage non négligeable, c'est que le tourisme y est bien moins présent que sur les îles comme Mykonos ou Santorin. En tout cas, pour le moment. Hormis la découverte de sublimes plages, de jolis villages atypiques, l'un des endroits à ne pas rater sur l'île, c'est la spectaculaire grotte d'Antiparos, située dans les terres. Elle a la particularité de se trouver au-dessus du niveau de la mer. À près de 171 mètres de hauteur. Et surtout, elle possède une superficie assez importante, 5600 m². C'est l'une des grottes verticales les plus profondes d'Europe, ouverte aux visiteurs. Elle renferme par ailleurs la plus ancienne stalagmite d'Europe, estimée à 45 millions d'années. Elle devient pendant la période antique un centre du culte de la déesse Artémis. Véritablement un lieu particulier et spectaculaire à découvrir.
Le prochain arrêt se fait sur la surprenante île de Milos, beaucoup plus calme que les autres, mais tout autant remplie de merveilles, comme le village de Mandrakia. Cette île est un coin de paradis volcanique, avec des sources chaudes et de spectaculaires formations rocheuses qui découvrent toute sa côte. Ce panorama, ces dernières années, a d'ailleurs clairement fait augmenter son tourisme. Car ici, il n'y a pas que certaines choses à découvrir. C'est toute l'île qu'il faut découvrir. Le petit village de pêcheurs de Phiropotamos est connu pour ses petites maisons fabriquées complètement au bord de l'eau cristalline de la mer Égée. Il fait partie des spots à ne pas louper. En prenant le bateau sur le sud de l'île, on peut effectivement apercevoir cette fameuse roche volcanique, notamment du côté de la plage de Gerakas, ou encore plus loin, à Cleftico. D'ici, on se rend bien compte que l'île de Milos est époustouflante et assez différente des autres Cyclades. Pour apercevoir ce spectacle, cela se fera uniquement par bateau. C'est le seul accès possible. Sur le chemin du retour, impossible de rater l'arrêt sur la petite baie magique de Tsigrado, avec une eau transparente et un accès difficile. C'est l'endroit idéal pour faire de la plongée. L'endroit qui attire sans doute le plus de monde, c'est ici, à Sarakiniko, le genre de paysage que vous ne trouverez pas partout. Situé sur la côte nord de l'île, sa roche volcanique éclairée par le soleil et entourée par les eaux bleues de la mer Égée offre un paysage idyllique. Il y a des millions d'années, des tonnes de lave de la Terre ont refroidi totalement en prenant des formes et des couleurs étranges. L'activité volcanique ici a apporté une beauté rare. L'endroit est donc idéal pour se casser la rétine et apprécier son séjour à Milos. L'un de nos derniers arrêts se fera sur l'île volcanique ultra prisée par les touristes, Santorin. Elle est l'une des destinations les plus célèbres de Grèce et son architecture y est pour beaucoup. Les petits villages blancs perchés sur les rochers massifs offrent des paysages de cartes postales et des couchers de soleil absolument divins. La ville de Phira est la capitale de Santorin. Elle est le village le plus vaste de l'île, avec près de 2500 habitants à l'année. L'avantage ici, comparé à certains lieux des Cyclades, c'est qu'il y a un peu moins de monde. Il faut donc là aussi prendre le temps d'arpenter les rues et ruelles piétonnes. À l'année, la fréquentation de l'île est très légère. Son activité principale est bien évidemment le tourisme, ce qui fait qu'en juillet et août, il peut y avoir énormément de monde. Tout au sud de l'île, un endroit qui est absolument à faire, c'est la plage rouge,
qui fait partie des plus belles plages de Santorin. Ce sont ses falaises rouges qui la rend si particulière. L'eau y est d'ailleurs absolument transparente. La plage est petite, une véritable petite crique, mais très fréquentée. Assurément, une chose à voir sur l'île. La meilleure façon d'observer Santorin, c'est d'emprunter le sentier qui mène directement à Oya, qui longe la fameuse caldeira. Ce petit trek d'une dizaine de kilomètres le long de la caldeira vous mènera au village le plus populaire de toutes les Cyclades, Oya. Comme la ville de Fira, il défie les lois de l'équilibre. C'est très surprenant à découvrir. L'île de Santorin résulte en fait d'une longue et intense activité volcanique. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les vestiges d'un volcan effondré il y a près de 3600 ans. Ce volcan est toujours actif. Sa dernière éruption remonte à 1950. Et pour aller plus loin dans les détails, la chambre magmatique du volcan se trouve à 4 km de profondeur dans la mer Égée. Le Santorin d'aujourd'hui est fatalement lié à l'histoire de son volcan. Une éruption considérée comme l'une des plus fortes jamais parvenues en Méditerranée, puisqu'elle a provoqué l'effondrement de la partie centrale de l'île, en donnant naissance à la caldeira actuelle que l'on admire tout le long de la côte. Forcément à côté, l'autre partie de l'île est moins visitée. Ses plages volcaniques ainsi que son agriculture, pourtant assez riche. C'est ici, au terme de ce fabuleux voyage dans les Cyclades, que s'arrête mon documentaire. J'aurais pu vous présenter d'autres îles, comme celle de Naxos, qui est magnifique. Mais je pense que cela vaut le coup de garder quelques secrets. Entre mythologie, volcans, plages émeraudes ou villages atypiques, la Grèce et ses Cyclades sont un endroit à part, dépaysant et rempli de petits secrets. Alors si cela vous a plu, n'hésitez pas à venir découvrir ce paradis. Et comme je vous le conseille souvent, plutôt en hors-saison, pour éviter la foule, car les Cyclades sont très prisées. Je n'ai plus qu'à vous dire la suite au prochain épisode. Allez, ciao !